Salut les gamins, tous les autres, c'est parti au club, bienvenue aussi au Montpellier Rhin. On va débriefer de ce match, franchement quel plaisir, enfin après un mois et demi de sans victoire, enfin une belle victoire méritée, pour moi totalement méritée. Première mi-temps totalement gérée à part les 5 dernières minutes, où voilà il y a eu un petit excès d'or, un petit coup d'orgueil voilà des Montpellier Rhin qui ont voulu montrer qu'ils en avaient encore sous le pied alors qu'on les voyait vraiment très très fatigués parce qu'ils couraient beaucoup dans le vide. On va essayer de débriefer un maximum de ce match. Avant ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Vraiment, n'hésitez pas, les gars, pour cette victoire vraiment qui fait vraiment plaisir, surtout les 3 points. Parce que franchement, j'avais dit, si on gagne pas Montpellier, ça va être très très dur pour revenir sur les 5 premières places. Cette victoire peut faire du bien. Je pense que ça peut être une victoire vraiment un peu moteur comme ça pour les prochains matchs qui arrivent. C'est vraiment une victoire. Vraiment, j'ai senti à la fin du match, quand la gazette a foncé sur le banc de touche, tout le monde est vraiment hyper heureux. J'ai vu un Boateng vraiment qui a sauté de joie, Laurent Blanc hyper content, etc. Ces images qu'on voyait vraiment pas sous Peter Bosz, j'ai l'impression, en tout cas, j'en ai plus trop souvenir. Mais vraiment, cette joie collective incroyable, je pense que ça peut être pas le début d'une longue série, mais je pense que ça peut être un bon début sur l'ère Laurent Blanc. Si on avait fait un bon petit match nul à Rennes, ça aurait fait vraiment un bon lancement. Mais je pense que cette victoire, ça peut être une bonne victoire moteur ouais, pour les matchs qui arrivent et surtout les 3 prochains matchs avant la Coupe du Monde. Maintenant, pour commencer la vidéo, le film du match, première mi-temps, totalement maîtrisé. Après, ça arrive avec un but d'Aouar. Vraiment, c'est un centre de Tagliafico vers Lacazette qui n'est pas en position de hors-jeu. Contrôle de Lacazette qui met sur les fesses Julien, passe en retrait et finition tranquille d'Aouar. Après, il y a un petit pic d'orgueil à la fin de la première mi-temps. Ça revient en deuxième mi-temps avec une occasion où Lacazette, même en interview à la fin sur Prime Vidéo, est vraiment hyper déçu parce qu'il sait que c'est de sa faute qu'il n'y a pas le deuxième avec la passe qui n'est pas assez appuyée. Franchement, j'étais en colère quand il l'a faite, cette passe vraiment mal appuyée qui. Bah, en tout cas, l'action se conclut pas par un but. J'étais un peu en colère. Après, il y a eu la rentrée de Toko Ekambi. Bon, lui, qu'est-ce que je vous dise? C'est catastrophique ce mec, je suis désolé. Hein. Mais c'est pas possible. Il est juste bon quand il est lancé en profondeur, qu'il sait juste courir. Mais techniquement, c'est catastrophique. Franchement, il marque que si le gardien, il n'y a plus de gardien, ou alors sur un exploit. Mais c'est pas possible. Honnêtement, Toko, il fait même une passe à Lacazette à un moment, une récupération haute. Je sais plus c'est quel joueur qui fait cette récupération. Il fait une passe dégueulasse dans la surface à Lacazette. S'il s'applique un tout petit peu mieux, Lacazette peut la mettre au fond. Je crois que c'est vers la 60e ou 50, 60e, 63e, quelque chose comme ça. Peut-être vous allez me corriger dans les commentaires. Et après, la sortie de Boateng, juste un petit peu avant, et comme d'habitude, dès que Boateng sort, on prend un pion. Je sais pas pourquoi, on dirait que derrière, ça perd de leadership. Heureusement qu'après, ben, pas heureusement, mais je sais pas, on dirait que les rouges, après, ça nous a, je sais pas, mis quelque chose en tête. Voilà, ça nous a peut-être redonné un regain de confiance, avec peut-être plus d'espace. On va aussi parler de la retraite de Geoffrey Adelaide, pardon, mais je vais parler des cartons rouges, mais c'est pas possible. L'arbitre, d'où tu vas mettre un carton rouge à demander? Il fait jaune, il fait faute, pour moi c'est un jaune. Déjà, le joueur ne peut pas partir, parce qu'il y a largement assez pour. Il y a largement assez de défenseurs pour revenir sur lui. Parce que si là, l'arbitre, il met rouge là, alors que la faute, elle est à la ligne médiane et qu'il y a encore, comme j'ai dit, plusieurs joueurs en retrait. Mais alors tu mets quoi à Cheka la semaine dernière, Madame Frappard, elle a mis qu'un jaune, il partait au but tout seul. Et le joueur était complètement allé à l'autre côté du terrain. Et là tu mets un rouge. Parce que Diomandé, pour moi, reste assez calme. Il vient se faire quasi pas prendre le maillot, mais gueuler dessus par Wai qui prend que un jaune, lui. Et Mavidi qui va le pousser et l'invectiver comme ça. Donc lui, pour moi, le rouge est totalement mérité parce qu'il a pas fait ça. Mais Diomandé, je trouve assez calme. Sa faute ne mérite pas rouge. Donc pour moi, c'est juste pour pas sanctionner. Trop Montpellier parce que pour moi Diomandé voilà ne doit jamais prendre rouge. Après bah, c'est arrivé pour moi on risque de le payer contre Lille prochain match arrive parce qu'on aura que 3 défenseurs centraux. On aura Loukeba, Boateng s'il est pas blessé parce que ça a aussi parlé de blessure sur Prime Vidéo si vous avez vu le match en Prime Vidéo pardon. Et il y aura aussi que Da Silva donc il n'y a plus de Diomandé. Est-ce qu'il va faire monter un jeune défenseur central? Par exemple, un Mamadou Sarr ou un autre défenseur de la réserve, si on joue à 3 défenseurs, ou est-ce qu'on va passer d'un système à 4? Parce que le rouge, à mon avis, Diomandé, et bien risque de prendre un ou deux matchs par la faute d'un Montpellier Rhin qui est venu le. Pour moi, la faute d'un Montpellier Rhin. Donc j'espère qu'il prendra que un rouge, que un match, je veux dire, et que l'autre, par contre, il en prenne deux ou trois, parce que honnêtement, c'est la faute du Montpellier Rhin que le Lyonnais prenne un rouge. Et vraiment, c'est le seul, pour moi, quasiment point noir du match. C'est. Voilà, cet excès d'engagement du joueur Montpellier Rhin, Mavididi.
qui va nous priver de Diomandé, et que Diomandé, pour moi, faisait vraiment un bon match. Maintenant, je vais vous donner mes tops. Mes tops, c'est Lacazette en 1. Je mettrai Tagliafico en 2. Tagliafico, c'est trop fort. Et Kakré en 3, parce que là, honnêtement, Kakré, c'est son meilleur match de la saison. Je crois qu'il commence à être réveillé. J'aurais pu mettre Aouar. Il y en a beaucoup, peut-être, qui vont me dire Aouar, il mérite, etc. Mais Lacazette, vraiment, pour surtout sa deuxième mi-temps. Sa première mi-temps, je trouvais Dembélé bien mieux que lui. Même s'il fait la passe sur le premier but, Lacazette, je trouvais Dembélé vraiment plus dedans, etc. Après, peut-être avec sa sortie, voilà, il a eu plus un peu le ballon. Il a eu de plus en plus. Mais voilà, Lacazette pour moi fait vraiment une très très bonne deuxième mi-temps. Son but, vraiment, ça le met vraiment pour moi au top des tops, numéro 1. Tagliafico, la bataille qu'il a eue sur le dernier but de Lyon, mais 1 contre 3, il les a bouffés. 1 contre 3. Franchement, trouvez-moi un mec en Ligue 1, 1 contre 3 comme ça, un chiffonnier, vraiment, dans les pieds, il se battait un peu comme à la Verratti. Franchement, bravo Tagliafico, sinon je pense qu'on marque pas. Et c'est bravo à Kakré, le dernier but, là il est construit avec Renat Dalid et Kakré. Enchaînement de 1-2, après il y a 1-2, je crois, avec Toko Ekambi ou quelque chose comme ça. Non, c'est Renat Dalid. Je crois qu'il y a Kakré qui fait, qui passe deux joueurs et qui la met sur Lacazette, qui finit bien. Franchement, c'est mes trois tops. Ensuite, franchement, si je mets des flops, c'est vraiment méchant, mais maintenant je trouve qu'il n'y avait pas trop trop de flops. Peut-être un qui est tout petit peu en dessous, c'est peut-être Mendes, et encore je suis gentil. Enfin, je suis vraiment méchant, je veux dire. Mais peut-être que Mendes, peut-être qu'il a un peu plus d'automatisme au milieu de terrain, ça pourrait être cool. Mais après, voilà. Moi, vraiment le seul point noir aussi au niveau des joueurs un peu en méforme, voilà qui a fait vraiment une entrée dégueulasse, c'est Toko Ekambi, je suis désolé. C'est même pas un bashing Toko Ekambi. Mais son entrée, franchement, à part le tir qu'il a fait, c'est trop peu. Et le fait qu'on rentre et qu'on prenne le rouge, ça nous empêche de voir Tété. Ça fait 2-3 matchs qu'il joue plus. Fèvre, on le voit quasiment pas. C'est vraiment dommage. Le Penant, qui faisait un bon début de championnat non plus, on le voit pas. Après, on a misé sur Jeff Rennet-Adelaide, il faut lui aussi en parler. Il fait 10 minutes dégueulasses, je le dis honnêtement, et 10 minutes exceptionnelles. Peut-être que vous avez peut-être pas le même ressenti, mais moi vraiment j'ai trouvé 10 minutes, 10 premières minutes dégueulasses de son entrée. Et d'un coup, hop, je sais pas, vraiment je vous ai dit que le rouge, il a changé quelque chose. Et pour moi, ça a été le meilleur joueur des dernières minutes, Rennet-Adelaide. Il a survolé tous les Montpelliérains pour moi. Il les a vraiment survolés. Et vraiment, on a vu des dribbles, à un moment il en passe deux, etc. Quand il obtient le coup franc à la fin. Ça c'est du Rennes Adelaide qu'on veut voir. Et on sait que les croisés qu'il a eu aux deux genoux, bah, ça va, il va peut-être pas retrouver son niveau. Mais s'il vraiment il fait des matchs comme ça, etc., toute la saison, rentrer 10, 20, 30 minutes, etc., de haut niveau, peut-être que dans 1 an, 2 ans, peut-être qu'il retrouvera peut-être un niveau similaire à celui qu'il avait à Angers. Et ça pourra toujours être cool. Donc voilà, je pense avoir fait un bon poids de la rencontre. Après, voilà, Montpellier a eu très très peu d'occasions. C'est des supporters montpelliérains qui passent par là. Il y a eu le tir de Maouas en première mi-temps, c'est l'une des seules occasions. Il y a aussi Koza qui aurait pu marquer le corner, qui est tiré par Savanier, je crois. Et après, il y a eu l'occasion de Boey, très très belle. Mais voilà, dès que Boateng est plus sur lui et qu'on fait rentrer Da Silva, j'ai rien contre Da Silva. Qui a fait, juste après le but, il a été bien meilleur. Mais dès qu'il rentre, je sais pas, il a du mal à rentrer dedans et. Je sais pas, on le fait jamais rentrer quand on a la possession. C'est toujours l'équipe adverse qui a la possession quand il rentre. Quand il rentre contre Rennes, c'est Rennes qui a la possession, on prend un pion. Là, c'est Montpellier qui a la balle, boum, on prend un pion. Voilà, j'espère vraiment que Boateng pourra tenir au moins 80 minutes la prochaine fois. Ça pourrait être cool. Et ça pourrait empêcher aussi qu'on ait vraiment peur derrière. Et aussi, il faudra aussi faire gaffe vraiment à la prochaine composition vu qu'il n'y aura pas du Mandé. Ça aussi, ça me fait vraiment un petit peu peur. Mais voilà, bravo vraiment à tous les joueurs, vraiment. Et bravo aussi au coaching de Laurent Blanc. Très très bon coaching, à part pour moi, Toko Ekambi, comme je le dis, mais je vais pas forcer dessus. J'espère qu'il pourra se remotiver, comme l'a fait un Aouar qui est aujourd'hui vraiment pas mal du tout. Kakré qui commence aussi à se relever. Franchement, je sens vraiment le changement de coach, vraiment, a fait vraiment des bonnes choses. Et aussi, bravo aussi à Lopez sur quelques arrêts où il a vraiment été très très bon. Sur le but, pour moi, il peut rien faire. Et aussi mention vraiment très bien à Anthony Lopez. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire votre compte rendu dans les commentaires, je vous répondrai. Dites-moi si vous êtes content, enfin. Est-ce que vous voyez vraiment une petite série qui se profile ou est-ce que vous voulez rester prudent? Voilà. Dites-moi clairement votre ressenti sur le match et ce que ça peut apporter. Je vous laisse là-dessus. Ciao les gones. Et passez tous une très très bonne soirée ou une bonne journée si vous voyez la vidéo le lendemain. Ciao les gones.